Salut les gars. Il fait tellement beau, je suis tellement contente. Je suis désolée pour ma tête, mais alors là, il n'y a pas plus du matin. Mais regardez-moi cette vue. Waouh. On va faire ça vite fait, on fera ça mieux après. Bonjour. Bonjour mon chien. Oh, ça va. On y va? Bonjour, bonjour. Ah, vous criez moins quand je viens vous voir. Ça, c'est mes perruches. Voilà, c'est monsieur, madame. Il y a un mâle et une femelle. Je vais pas vous mentir que je confonds souvent qui est le mâle et la femelle. Mais c'est trop drôle de les avoir chez soi parce qu'ils s'embrouillent tout le temps, vraiment, on dirait un couple. Ils sont vraiment trop drôles. C'est la ferme ici. Bonjour. Mais tu les craches pas dessus. Bon, quelques explications. Là, c'est plus que des petits bonjours du matin. C'est le moment du petit gâteau. Du coup, on leur donne des petites friandises le matin. Dès qu'on se lève. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont très câlins, comme par hasard. On va vous donner ça. Bon, oui. Assez. D'habitude, elle part en courant pour aller le manger ailleurs. Là, elle a décidé de le manger au-dessus de moi. Et elle, elle mange ses barreaux. Mais ça va pas. Et l'autre, elle mange ses barreaux tellement à la faim. Tiens. J'ai des animaux fous le matin. En fait, tu vis pour les caméras. C'est pour ça que t'es restée là. Il est 9h30 du matin. J'ai pas énormément de temps. Je dois être à 10h30 à l'hôtel de ville dans Paris. Et je suis très contente d'y aller. Je rejoins mon copain. On va se balader un petit peu pour profiter de Paris. Avant de rentrer, tout simplement. J'ai pas eu le temps de trop profiter de Paris en tant que tel. J'ai surtout profité de ma famille, de mes amis. Et là, j'ai envie de profiter de Paris. Je vais mettre ce pauvre reste de lait d'amande dans mon café. C'est surtout pour le rafraîchir. Mais en vrai, j'aime bien aussi les cafés au lait. C'est vrai que j'aime un peu moins le lait de vache. Moi, à Montréal, je bois que ça. J'en profite ici. Il y a du lait végétal. C'est quand même plus facile à boire, je trouve. Mais en vrai, j'en mets surtout parce que je déteste boire quelque chose de chaud. Et si j'attendais que mon café soit à température ambiante, bah ça prendrait juste une demi-heure, quoi. Je vais me faire une petite tartine au beurre. J'attends juste qu'elle grille, quoi. Je pense que j'ai mangé que ça. J'en ai pris une petite, genre de cette taille. C'est vraiment histoire de manger un truc le matin. Je déteste ne pas manger un truc. Même si j'ai pas faim, genre là, j'ai vraiment pas faim. Mais je vais quand même me faire une petite tartine par principe. Parce que sinon, je sais que par exemple, à 11h, je vais être affamée. J'ai pas du tout envie. Je vais me laver les cheveux juste après. Je vais vous montrer vite fait les produits que j'utilise. Ah, le pain. Oui. Ça me fait bizarre de petit-déj avec vous ici. Genre à Paris surtout. Parce que là, je me suis mise à YouTube, surtout à Montréal. Et c'est vrai qu'à Paris, c'est un peu plus dur pour moi de déjà trouver du temps. Et puis de reprendre un peu le rythme comme ça des vidéos. J'avais une liste de trucs à manger en rentrant ici. Tellement de choses que j'ai pas mangé. Je sais pas si je vais avoir le temps là en 3 jours. Parce que j'en parle en 3 jours déjà. Je sais pas si je vais avoir le temps. Mais en même temps, c'est pas très grave. Je vais revenir en France dans 6 mois. Je pourrais manger tout ce que je veux. Mais c'est vrai que là, j'aurais pas le temps de tout manger. C'est vrai qu'au Canada, à Montréal, il y a quand même beaucoup de choses qui me manquent. Que ce soit les trucs de tous les jours, genre les petits plats basiques. Par exemple, hier soir, j'ai mangé des gnocchis au fromage. Je suis sûre que ça se trouve au Canada, mais j'ai vraiment pas trouvé. Vous devez trouver ça bizarre que je porte un gros pull. Ouais, je crois que c'est dans toute la France. Les appartements, ils ont une limite de chauffage quand c'est commun. Du coup, on est aux alentours de 19. Et en vrai de vrai, bah, quand tu bouges dans l'appart, tu fais des trucs et tout, ça va. Mais dès que t'es immobilier, que tu fais rien, moi je suis gelée. En étant une semaine et demie à Paris, on va dire, un peu moins, j'ai eu le temps de voir quand même tous mes amis, ma famille. Bien évidemment. On a fêté le nouvel an. J'ai eu le temps d'aller au ciné. Peut-être 2 fois. Parce que peut-être que j'y vais cet après-midi. J'ai vu Les Trois Mousquetaires l'autre fois. Donc la partie 2. J'adore. Vraiment, j'adore. Je sais pas si vous avez déjà vu le premier 1. C'est avec François Civil et tous les acteurs français là. Eva Green aussi. Je trouve ça incroyable comme film. Genre vraiment, c'est trop bien tourné. Je trouve que c'est bien joué. Enfin, après, vraiment, c'est mon avis, mais j'adore. J'ai eu le temps d'aller au théâtre. Je vous mets la pièce que j'ai vue juste ici. Parce que j'oublie à chaque fois le nom exact. Mais c'était hyper drôle. C'était dans un petit théâtre dans le 11e, je crois. Et bah j'ai rigolé pendant tout le spectacle. Enfin franchement c'était bien joué, c'était marrant. C'est léger, tu te prends pas la tête quand tu vas voir ce genre de pièces et j'ai adoré. J'ai eu le temps de me faire des petits restos, j'ai eu le temps aussi de tout simplement faire des courses. J'adore faire les courses, ouais, c'est bizarre, ok. De faire du vélo, parce que j'adore faire du vélo dans Paris. Bon, je fais du vélo électrique, donc il y en a à louer. Bon, moi je prends les vélos d'hôtes. Assis. Ah.
Raté. À chaque fois j'essaye, mais non. Jamais elle arrivera à attraper un truc en vol. Jamais. En même temps, je critique, mais j'arrive pas à attraper un truc quand on l'envoie non plus. Les gars, on va aller se doucher immédiatement pour ne pas être en retard ce matin. Et ensuite, on se sèche les cheveux pour refaire à peu près ce beau brushing. Vous avez vu du coup que j'ai recoupé, j'ai un beau carré bien blond. Oh, je suis tellement contente, je suis re-moi. Voilà, c'est tout, c'est dit. Et ensuite, on se maquille, on s'habille et on part. Bon, la lumière est pas terrible, désolée. J'ai découvert ce déodorant Ushuaïa Vanille. En fait, c'est un anti-transpirant. C'est le meilleur déodorant anti-transpirant que j'ai testé de ma vie. Je sens la vanille toute la journée, rien d'autre. Je mets ce petit haut sous un pull blanc. Et en bas, j'ai mon jean. Je vais venir mettre ma crème avant de faire mes cheveux. Donc en ce moment, je mets cette crème. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est La Mer. C'est une crème de luxe, on va pas se mentir. Et j'ai eu des petits échantillons, comme ça. Et du coup, je ne mets que ça pendant les vacances. Hein. Après, j'en aurai plus de toute façon. Et franchement, c'est incroyable comme produit. Mais je me suis renseignée, le pot genre de taille de peau classique de crème, c'est genre 380€. Mais je la trouve extraordinaire. Hein. Je dirais pas que ça vaut 300€, mais elle est tellement agréable. Puis j'ai grave une belle peau. Enfin, voilà quoi. Il y a des points positifs quand même. Ça, c'est trop bien pour sécher les cheveux pendant qu'on se prépare. Ça vient de chez Emma, tout simplement. Il y en a, je pense, dans d'autres couleurs. Donc ça fait un peu princesse avec le petit cœur. Là. Je suis tout le temps, je l'avais oublié ici. Alors, je voulais prendre à Montréal. Je peux vous assurer que si je l'oublie, j'ai trop le seum. Je veux vraiment, vraiment, vraiment repartir avec. Faut que je me dépêche, les gars. Je suis tellement en retard. Je sèche ça vite fait. Je sépare en deux. On va faire ça un peu à l'arrache. En gros, je sèche un maximum. Et ensuite, je fais genre les pointes pour les faire un peu comme ça. Vu comment on est en retard, ça serait largement suffisant. Surtout que, franchement, c'est pas mal du tout, quoi. Le sèche-cheveux, ça me donne tellement chaud que je ne vais pas du tout m'habiller tout de suite. On va mettre, parce que je me rends compte que je chuchote depuis tout à l'heure, je suis désolée. On va mettre un peu de baume à lèvres, même beaucoup, parce qu'avec la saison là, j'ai plus de lèvres. On va mettre un peu d'anti-cerne directement. Bon, on va pas mettre d'anti-cerne, en fait, on va rester sur d'habitude. Je vais mettre une bébé crème, donc c'est herbruant, super bébé. En fait, je la mets là et sur mes yeux. Voilà, c'est peut-être pas fait pour ça, mais moi je trouve que ça fonctionne très bien. Parce que ici, j'ai des petites rougeurs, donc je fais comme ça. Je sais pas si je mets un long manteau pour sortir. Alors, je trouve ça trop classe, les longs manteaux. Le seul problème, c'est que pour faire du vélo, je sais pas ce qu'il y a de mieux. J'ai l'impression d'être une princesse avec une robe sur un cheval, enfin la galère. Il y a peut-être des fanas du maquillage qui vont me dire mais qu'est-ce que tu fais ma grande. Moi j'aime bien, ok. En fait je trouve que ça donne un effet hyper naturel. La super bébé en fait elle floute un peu le teint en harmonisant. Bon, c'est ce que je veux aussi pour mes cernes. Ça me tue parce que avec la lumière archi violente qu'on a là, bah vous allez rien voir en fait de ce que je fais. On va mettre un peu de mascara, il y a pas d'ordre. Ok, quand on est en retard, il y a pas d'ordre. J'ai acheté un nouveau blush. Déjà faut que j'aille racheter mon mascara. C'est celui-là là. C'est un Marionneau les gars. Il est incroyable. Je le mets depuis plus de 5 ans. J'espère qu'ils le font encore parce que je suis pas allée l'acheter depuis presque un an. Donc déjà il tient super bien, hein. Parce que un an pour un mascara, je trouve ça très long. Enfin, me maquiller en étant pressée, c'est vraiment le truc pour faire des graines quoi. J'ai l'impression que je m'en suis mis dans l'œil. Ensuite, on plaque les sourcils parce que je ne supporte pas avoir un sourcil qui dit merde à l'autre, hein, franchement. On fait la forme naturelle. On va éviter de plaquer les cheveux. Alors par contre, ce truc-là, donc c'est un bénéfice. Ça, parfois, je l'utilise aussi pour les petits cheveux quand je plaque mes cheveux. Ça marche bien. Le blush. Récemment, je l'appliquais au doigt et c'était beaucoup mieux. Mais là, j'ai pas le temps. On va le faire au pinceau. Il est trop beau. Il a un effet hyper glossy. Donc c'est celui-là que j'ai pris. Celui-là, c'est un bénéfice. Et j'ai pris la teinte Flamingo, je sais pas quoi. Pour ma teinte de peau, il est beaucoup plus naturel que celui que j'avais avant. Avant, j'avais bah, le même, mais vous savez, le classique. Genre vraiment celui qui est très liquide. Et je savais pas du tout... pourquoi je fais ça alors que j'ai du mascara. Voilà, ouais, bah, c'est ça qui va pas quand on suit pas l'ordre. Oh mon dieu. Bon, je trouve pas la teinte. Ah, Pink Lemonade. Bon, on va remettre du mascara parce qu'on vient littéralement de cracher dessus avec la brosse. Il y a mon frère qui est en train de dormir, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte à gueuler dans l'appartement alors que... Pardon, excusez-moi. Moi, je voulais vous partager ma petite routine détente, mais en fait, la vérité, c'est que je suis tout le temps en retard. Donc, les gars, tout va bien, il est 11, je pars dans 4 minutes. On va dire que je suis mignonne. Bon, je vais mettre, vous savez quoi, j'ai 4 minutes. Je vais mettre un peu de bronzer parce que j'aime bien. Il est très sympa celui-là, c'est le Rare Beauty. J'ai acheté la poudre aussi. Et j'ai eu un faux espoir de mon copain qui me disait qu'il allait être en retard. Du coup, je me disais, ah cool, on a beaucoup plus de temps. Pas du tout, il est pas en retard. Hop là. Je sais pas si j'ai mis une petite ceinture. En vrai, j'ai vraiment envie d'être très cool, genre. J'ai pas envie de me prendre la tête sur quoi que ce soit. Je changerai tout ça plus tard. Pour les chaussures,
Oh, il fait tellement beau. J'ai mis mes baskets préférées, vous les connaissez. Donc voilà, mon petit look très très simple. Faites pas attention au bordel dans ma chambre, c'est un autre sujet. Allez, on va aller chercher le manteau. J'ai pas mis de parfum. Par contre, avec un soleil pareil, moi je ne rate pas l'occasion de mettre mes lunettes de soleil. Elles sont où? Je les ai pas mis depuis des semaines. Elles sont où? J'ai. Je vous montre en très vite fait et de loin. Ah, je sais pas où vous mettre. Le manteau que je voulais mettre. Et genre comme ça. Et genre il est très très long. On sait n'importe quoi avec le soleil. Et genre trop froid. Je le sens. En fait, je l'ai jamais mis dehors et bah si j'ai froid, je vais regretter. Donc je vais mettre mon manteau d'habitude. Et voilà, comme ça je suis bien couverte pour le froid. J'ai pris mon appareil photo parce que j'avais trop envie de le prendre pour prendre des photos dans Paris. Tout va bien, finalement il est en retard, moi aussi. On va arriver pile à l'heure, tous les deux selon notre heure. Je suis trop contente de faire du vélo dans Paris avec ce soleil. Oh là là. J'adorerais vous faire des vidéos en faisant du vélo, mais j'en suis incapable. C'est tout ce que vous aurez. Voilà, bisous à toutes. J'aimerais trop avoir les lunettes, vous savez, qui filment. Comme ça, je peux vous montrer tout mon trajet tellement c'est trop beau avec le soleil. Mais non. Je suis bien arrivée au centre de Paris, je suis au centre Pompidou. On va aller se balader un petit peu dans le quartier, et puis vers le marais et tout. Et on s'est fait arrêter dans la rue, on a gagné ça. Fallait juste donner notre bonne résolution et c'est un petit shot de gingembre. Sip est très content de boire le sien. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Oh, c'était fou de la passion. D'un coup, tu penses? Ah, moi, c'est un shot, hein. Ah ouais. Ah ouais, t'as vu? Ah, ouais. C'est hyper bon. C'est très bon, mais ça tabasse, hein. Ah, c'est excellent par contre, c'est bio en plus. J'en ai profité pour faire quelques photos, il y avait un temps extraordinaire, du coup si vous voulez les photos sont dispo sur mon compte photo qui s'appelle ivini.jpeg, il est dans ma bio Instagram aussi si vous voulez. Ensuite on a fait un petit tour au BHV, je vous avoue j'y étais jamais vraiment rentrée, du coup on a fait un peu de repérage pour notre prochain appart sur Paris. Je trouve que le rayon déco est hyper inspirant et surtout très tendance. Ensuite on a bu un petit café à la Favorite, donc j'y vais surtout en général pour la décoration que je trouve extraordinaire avec toutes ces fleurs, et j'ai déjà mangé, c'était assez bon. Pour le déjeuner, je vous emmène chez Alain Miam Miam. Donc c'est au marché des Enfants Rouges dans Paris. Et ils font des sandwichs hyper bons et surtout très très garnis avec des produits frais. Je me suis régalée, j'ai même pas réussi à le finir. On s'est posé dans un parc un peu au soleil et c'était trop trop bon. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker et à laisser un commentaire, bien sûr. Je suis déjà rentrée à Montréal. Je vais reprendre les vidéos ici 2 fois par semaine, comme je vous l'avais dit. Une le mercredi, une le dimanche à 18h. Et je sais pas si vous voyez la différence par rapport au reste de la vidéo, mais là, je filme avec une caméra que j'ai eue à Noël. Du coup, je sais pas si ça se voit la différence. En vrai, je pense que la qualité est meilleure. Vraiment, j'espère, en tout cas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche. Salut !